Et salut à tous, c'est Vélodrome Gaming, on se retrouve pour un nouveau let's play. Pour mon premier let's play commenté sur Humpty 2. Bon là je vais pas trop parler parce que j'en ai marre. Parce que ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. La première fois, je l'ai bien faite et tout. À la fin, j'ai regardé la vidéo et j'ai vu que le micro n'était pas allumé. La deuxième fois le jeu a planté et là c'est la troisième fois, donc là, il y en a marre. Bon ok, bref. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et là on se retrouve pour mon premier let's play commenté sur Humpty 2. On est sur la ville, sur la map de Ville Molle avec un Mercedes-Benz Star of Facelift. Un très beau Star of Facelift. Sauf que là il y a 2 bus qui ont fait un petit carambolage de merde. Donc là je ne peux pas passer. Donc on va commencer par... Oh le, qu'est-ce que tu viens de faire toi? Il est interdit, hein, tu me passes ton permis. Hein. Il passe à travers le bus, c'est plus con. Alors on va sélectionner notre ligne, on va sélectionner notre ligne, on est à la ligne 1. Alors on va voir tout ça. 21, non c'est mort. 6, ok pas de problème. On va voir si l'autre n'est pas plus proche. 6, on est d'accord. Ok. Allez, casse-toi. Bye bye. Allez, au revoir, toi aussi. Bonne journée. Et maintenant, moi. Alors là, je ne sais pas trop, ils font quoi, là. Désolé pour le blanc. Ouf, là tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais pas. On va se calmer, hein. Ah merde, comme il est. Alors aujourd'hui on est la ligne 001 00. La route 02. Et voilà les amis. On va attendre un peu, hein, parce que j'aime bien les laisser avoir froid. J'aime bien. Je suis méchant. Je kiffe ça. J'adore. Bon, ok, j'arrive en plaisir. Allez, t'es rentré. Salut. 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 Je veux indiquer. Pas de problème, madame. C'est pas du mec qui vient de rentrer, là? Alors. Elle veut me partir, je sais pas quoi. C'est là. Pardon. J'ai un billet. Bah, je t'ai donné un billet. De quoi? Ouais. Putain, attends, calme ta voix. Comment ça, je donnais trop de monnaie? Je donnais 2,30€. Comme je m'en passe sur eux. Ok, tu te calmes. Parce que dans le jeu, je sais pas, ils ont quoi, ils se calculent. Elle se plaint d'avoir reçu trop de monnaie. Mais moi, le chauffeur, il me donne trop de monnaie. Mais je suis content. Je suis content. Tu parles trop. Mais moi, le chauffeur, il me donne trop d'argent. Mais comment, je suis content. Mais pourquoi je vais donner trop de monnaie?
MDR. Heureusement, parce que l'autre qui s'est plaint pour parce que j'avais donné trop de monnaie, j'avais la baffée. Hein. Parce que moi, on me donne trop de monnaie, le chauffeur me donne 5 euros de trop. Mais comment je vais au grec, je me tape un kebab. Oh là là, je vais être content. Je vais me taper un kebab, salade, tomate, oignon, ketchup, mayo. Oh là là, il sera trop bien. J'aurai le ventre plein. Alors, sinon, pour ceux qui n'ont pas encore ce jeu, c'est un jeu vraiment cool. Il manque des trucs, je vous l'accorde. Mais voilà, il est cool quand même pour un jeu. Pour un jeu sur PC, j'ai rien dit parce que là on va me dire non mais les PC c'est vraiment bien, non, un truc comme ça, non j'ai rien dit. Pour un jeu de bus, il est cool. Le seul problème c'est qu'on doit télécharger des add-ons et tout pour qu'il soit vraiment cool, parce que si tu restes avec le jeu de base, comment tu vas galérer avec les vieux bus de merde là, mais c'est mort, les vieux bus de merde, les maps de merde, mais c'est mort. Heureusement qu'on peut télécharger des add-ons. Et il manque certaines choses dans le jeu qui... Quelques petits détails qui font des petits trucs, rien du tout. Comme par exemple quelqu'un qui des poussettes. Des poussettes qui rentrent dans le bus. Comme par exemple... qu'on puisse... par exemple sortir de chez nous. Prendre... Pas comme dans GTA 5, mais genre... t'as ta voiture, tu vas au dépôt par exemple, tu prends ton bus là-bas. Après, t'as une feuille qui s'affiche en plein écran où il y a écrit tout ce que tu dois faire dans la journée, comme un vrai chauffeur. Et aussi, ce serait bien que les autres chauffeurs fassent des appels de phare. Ça, ce serait cool. Tu vois, que au moins, je serai pas le seul dans toute la map à faire des appels de phare comme un con. Tu sais, il y a un chauffeur qui est là, tu vas dire salut. Alors que lui, il te regarde même pas. En parlant des AI, vraiment, ils sont intelligents, parce que regardez, comme par exemple là, il y avait une camionnette qui attendait que je passe, j'ai fait un appel de phare, il est passé. Vraiment, ils sont devenus vraiment intelligents par rapport à avant. Maintenant, parlons de ce qui m'a inspiré à jouer à ce jeu. Il y a beaucoup de personnes, de youtubeurs, à qui je regardais les vidéos avant d'avoir mon PC et d'avoir le jeu. Que, en fait, je cherchais un bon jeu de bus et j'ai vu des vidéos de Cyril Sage Gaming. Et c'est là que j'ai kiffé ce jeu, quoi. Et avant, je jouais à European Bus Simulator. J'avais craqué. Ouais. Et après, c'est grâce à Cyril Sage Gaming que j'ai connu MC2. Et vraiment, ça m'a plu, le jeu m'a plu et tout. Je regardais tous les jours ses vidéos et tout. Et vraiment, je me plains pas. Après, en regardant des commentaires, j'ai connu Asifer18, parce qu'il commente toutes les vidéos, lui, il est partout. Non, mais vraiment, il est vraiment partout. Chaque fois que je regarde une vidéo de MC2, même un youtubeur même pas connu, un abonné, il a fait une vidéo, commentaire, Asifer18. Vraiment, c'est choquant. Mais au moins, il est actif, ça va. J'aime bien sa chaîne, lui aussi. Il fait de bonnes vidéos. Et j'aime bien sa voix aussi. Attention, je suis pas pédé. Ouais, j'aime bien sa voix. Et Akoda aussi. Regardez par exemple. Vous voyez le l'AI ici. Regardez par exemple. Il attend que je passe. Hop. Appel de phare. Et hop, il part. Vraiment, c'est intelligent, quoi. Donc, je disais. Akoda. J'ai connu sa chaîne grâce à... Même pas grâce à, j'ai connu sa chaîne comme ça. J'ai tapé sur les recherches MC2 français et j'ai vu Akoda qui fait, je sais pas pourquoi, qui fait tout le temps des vidéos sur site, je sais pas comment elle s'appelle la map. Et en plus, il vient de mettre une vidéo il y a à peine. Ok, j'ai oublié. Attendez, je vais voir. Il a mis sa vidéo il y a 4 heures. C'est-à-dire, comme là il est 21h17. Il est 21h17, c'est-à-dire à 16h. Il a mis sa vidéo à 16h. 16h. Ouais. Aujourd'hui, on est mercredi 3 juin. Il est 21h17, il a mis à 4h. Et j'ai pas encore eu le temps de regarder la vidéo, hein, parce que je suis en train de faire ma vidéo et tout. Donc voilà. Et franchement, j'aime bien sa chaîne, tranquille.
Et encore une fois, il a mis sa vidéo il y a 4 heures, je l'ai vu il y a 3 heures. J'ai regardé les commentaires et devinez quoi? À 6h18. Et j'étais choqué. Je vais vous lire son commentaire. Alors, à 6h18, salut, encore un épisode content, en tout cas que le bus te plaise. Pour mon sujet, t'inquiète, tu que dis si tu veux ou pas. PS, maintenant c'est toi qui es amoureux de Cyrole. Réponse de Akoda, ha. Je dois quand même le remercier après ce qu'il a dit sur moi. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Alors, si vous avez regardé la dernière vidéo de Cyrole, eh ben, il avait parlé de Akoda, il avait... Ok, coupon, je sais pas quoi, nique ta mère, dégage. Il avait parlé de Akoda. Et il avait dit, ouais... Il avait complimenté, il avait dit qu'il aimait bien sa chaîne, etc. Qu'il avait un bon début, une bonne qualité pour un débutant. Après, il a dit, ouais, moi, quand je venais de faire mes vidéos, j'avais pas une qualité comme ça, j'avais vraiment une qualité de merde. Enfin, il a pas dit ça comme ça, mais il a insinué. Et voilà, et après, c'est pour ça qu'Akoda, j'ai pas encore regardé ce qu'il a dit sur Cyrole, hein, parce que j'ai pas eu le temps. Là, j'ai regardé que 1 minute 39 de sa vidéo, une minute de sa vidéo. Donc, j'ai pas encore eu le temps, donc voilà. Et à part ça, regardez le live. Il attend. Et dès que je fais un appel de phare, hop. Ok, d'accord. Hop, il part. Il peut attendre longtemps ici. J'ai vraiment testé. J'ai attendu au moins 2 minutes. Il est pas parti. Et là, j'ai fait un appel de phare. Et j'ai bien vu que c'était vraiment grâce aux appels de phare. Par contre, les voitures qui viennent de droite, elles s'arrêtent pas. Parce que la priorité, c'est à droite, pas à gauche. Bon, sinon parlons de moi et de ma chaîne. Alors, je vous l'accorde, je suis pas connu. Mais quand même, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien montrer ce que je fais, j'aime bien jouer à MC2. Et voilà. On peut dire quand même que je fais rire. On me dit ça souvent. Mais ensuite, je sais pas, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo let's play commentée. Donc, je sais pas trop comment on fait. Enfin, je sais comment on fait, je suis pas con n'empêche. Je suis pas un sec pas, je suis pas un Ulysse. Mais je sais pas trop comment. Quel sujet trouver. Je sais pas comment vous avez fait, Cyrole, Akoda et Asifer. Au début de vos let's play commentés. Mais en tout cas, moi je galère à trouver des sujets. J'improvise, mais voilà, c'est vraiment des sujets. des sujets banals. Quoi. Bon allez, on va y aller. Bon, sinon, continuons sur ma chaîne. Ma chaîne est consacrée aux simulations. C'est-à-dire, comme. Attendez, un petit lag. Je joue. Oh là 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 là, je conduis mal. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux descendre? Si tu veux, tu m'arrêtes, tu descends. Si tu veux pas, tu fermes ta gueule. Bon, je disais, j'ai Euro Truck Simulator 2, je vais bientôt faire des vidéos dessus, mais je préfère déjà me familiariser avec le jeu, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, j'ai Train Simulator 2015, j'ai pas farming, je vois beaucoup de, comme par exemple Cyrole ou la Tifer, Akoda lui non. Mais si Cyrole et Asifer, eux ils font du farming, mais moi je trouve pas ça aussi cool que ça. On va pas dire que je vais faire le suceur parce que voilà. C'est moi quoi. Il y a des youtubeurs, ils ont vu que Cyrole et Asifer, etc. ils font du farming. C'est bon, ils disent c'est bon, je dois faire du farming. Moi non, c'est pas ça. Quand je joue à un jeu, c'est vraiment que j'aime bien ce jeu et que voilà, qu'il me plaît quoi. Oh merde. Non, je me suis pris une poteau. Ok, mon moteur s'est éteint. Allez, on va réparer le bus. Hop. Désolé pour ce petit malentendu. On va accélérer un peu parce que... Hop, il y a un collègue. Comme je vais vous montrer, je vais faire un appel de phare comme un con.
Ouais, collègue, bien ou quoi la famille? Tranquille, la bébesse, tranquille, alhamdoulilah. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Oui, je fais ça tout le temps, hein, ne vous inquiétez pas. Oh, il a foncé sur les policiers. Oh non, il est con. Il est con. Wesh, collègue, bien ou quoi? Tranquille. Oh merde, y a personne qui conduit le bus. Non, mais je rêve. Bonjour madame, un ticket, d'accord, y'a pas de problème. Un peu. Ouh. Vous avez des gros seins, dis donc. Bon, bref. Alors. Vous avez aussi remarqué que sur un petit 2, les dames, roulent du cul. Vous avez vu ça? Les dames roulent du cul. Tranquille. Ok. Derrière. Ah, non, mal, je sais pas quoi. Ok, y'a pas de problème ici. Hop, 1,70€. Hop, on va voir. Hop. Hop, j'ai rendu trop de monnaie, nique ta mère, je me bats les couilles. Alors, 5€ moins 1,70€. Ça fait 2,30€. Comment ça j'ai rendu trop de monnaie? Tu veux combien? Tu veux combien? Tu veux 10 centimes? Tu veux 10 centimes, c'est ça? Salaud. Ta gueule. Ta gueule. Oh là 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 là. Comment ça? Mais tu vas me faire avoir du retard, sale bâtard. Ben. Voilà. Voilà, dégage. Un ticket s'il vous plaît, je vais avoir le même problème, hein. On va pas se casser les couilles. 2,70€, on est là. On est là comme d'hab, on est là, t'inquiète, t'inquiète la famille, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors. Bonjour monsieur le Renoir. Bien ou quoi? Wesh madame. Oh, les policiers sont en train de contrôler un jeune arabe là. Je ne suis pas raciste, vous avez rien entendu. J'ai fermé la porte ou pas là? Bon, ok, t'as fait quoi pour partir? Mon moteur est éteint. Mais qui l'a éteint? Mais ce bus il est chelou! Priorité à droite, allez-y, c'est pas grave. Allez-y, priorité à droite. T'as rien! Avec ta vieille Volkswagen. Vas-y. Alors, voici le poste de contrôle. On va accélérer puisqu'on a 3 minutes de retard là. Enfin, 2 minutes. Prochain arrêt, police. Police. Elle parle tellement chelou, cette meuf. Elle a un accent. Oh là là là, ça se voit le sang en russe. Ok, kangourou, tu te calmes. Tu te calmes, kangourou. Allez, kangourou, on se calme. On se calme. On se calme, kangourou. On se calme. T'es tendu, au calme. T'inquiète, t'inquiète. Tout va bien se passer, t'inquiète. Allez, venez les gens. T'inquiète, kangourou. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Attendez, je vais vous montrer comment elle roule du cul. Regardez, regardez. Mais c'est que tu roules du cul, toi. Pour ceux qui avaient jamais remarqué, voilà la preuve en visuel, elle roule du cul. Hein. Hop, 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 hop. C'est la première fois que je vois ça, elle roule du cul. Elle a des vieilles chaussures, elle. Elle date du passé. Alors, tu veux quoi, toi? Une farce, je sais pas quoi. D'accord, pas de problème. 10€, ça fait 8€. 8,30€. Non? 9,30€. Mais comment ça? Mais il se fout vraiment de moi, lui. Je
sens que je vais arrêter carrément les... Oh ta gueule. Voilà. Ça fait combien? 5. 8. D'accord. Donc ça fait 7, ça veut dire. 5. Merde, j'ai donné 10 euros. 5. 7. 30. C'est pas 7,30. 8. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Espèce de con. Allez kangourou, tu te calmes, tu es posé au calme, t'inquiète. Tout va bien se passer. Non, non, recommence pas s'il te plaît, t'inquiète, t'inquiète. Je vais bien te traiter. Ne t'inquiète pas. Alors ça c'est pas mon arrêt, c'est juste l'arrêt du C2. Moi je suis la ligne 1. J'étais vraiment choqué quand j'ai su que les dames dans le C2 roulaient du cul. J'étais vraiment choqué. Alors là il y a la gare, c'est-à-dire mon terminus, sauf que là je dois faire un petit détour de la ville qui sert à rien. Oups là, désolé, désolé madame, désolé. Est-ce que j'ai réparé le bus tout à l'heure quand j'ai... Ouais, j'ai... Désolé pour les lags, hein, mesdames et messieurs. Mais je suis pas à place là, je suis à Polaris. J'ai un petit peu rattrapé mon retard. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans mon bus. Oh, il y a deux jumelles. Sauf que vous avez pas le même nez. Et vous êtes pas habillés de la même façon. Salut. Un ticket, s'il vous plaît. Pas de problème. Attendez. Juste une seconde parce que là j'en ai marre de faire les calculs alors que ce n'est même pas... Alors... Parce que là comme je suis en volant... Alors c'est où là? C'est où? Rendre. On peut pas rendre la monnaie sans... voilà. Mais je veux pas rendre 5 euros, je veux juste rendre, point final. Toi, tu calcules. Moi, j'ai la flemme. Désolé pour mon téléphone qui vibre, hein, j'ai un appel, mais voilà, je veux pas le calculer. Purée, ça m'énerve. J'ai déjà donné le ticket ou... Oui, ne t'inquiète pas, je suis là, je te donne le ticket, ne t'inquiète pas. Mais se fout de moi ou quoi, j'ai donné 8 euros. Mais ta gueule, c'est toi, je t'ai donné de l'argent, t'as pas voulu. Essayez de me conduire alors que je suis même pas en train de conduire. Et là je dois les rendre 30 centimes. Point. Un ticket, s'il vous plaît. Bonjour mademoiselle. Un ticket de 2,70€.
Ça m'énerve de faire le petit caissier là, moi je travaille à Carrefour, vas-y moi. Je suis là pour conduire, hein, pas pour payer. Hein. Oh merde! Excusez-moi, j'avais pas vu. Excusez-moi. Vas-y, j'ai la flemme d'appeler la police, je t'en prends. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Vous faites comme si vous avez rien vu. Prochain arrêt, place. Correspondance. Oh, je l'avais pas vu. Kangourou, tu te calmes. J'ai réparé mon bus, hein. Kangourou, non, calme-toi, non. Et voilà, c'est bien, c'est mieux comme ça. Madame Mademoiselle, vous avez une tronche par contre. Vous avez un gros tronc. Ouh loulou. Il est énervé votre tronc. Oh là là là. Mais ça c'est 30 euros ou 30 centimes? Ça commence à me les casser là. Là rien. Salope. Un Far Carter. Bonjour monsieur le Renoir. Je respecte le Renoir, vous êtes grave mes potos. Désolé, c'est pas ce gars. Avec votre belle montre là. Oh, vous avez une grosse bite par contre. Ouh. Je suis pas pédé. Mais calme-toi, je suis en train de te rendre ta monnaie, frère. Comme ta bouche. Content pour son pourboire, y a pas de quoi, monsieur. Bien sûr, il va aller au KFC, c'est lui. Purée. En fait, avec les facelifts, à chaque fois que tu roules avec la porte arrière ouverte, le moteur s'éteint. Je sais pas pourquoi. C'est comme tout à l'heure, j'ai roulé avec la porte ouverte sans faire exprès et le moteur s'est éteint. Oups, désolé, 5 minutes de retard. Laisse passer, je vais bien regarder avant de faire un autre accident là. Il m'a même pas parlé de délit de fuite en plus cette fois-ci. Oh là 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 là. Comme par hasard quand je dis ça, j'aurais jamais dû le dire. Vous êtes parti du lieu de l'accident, ceci est un acte criminel, vous allez bientôt recevoir une sanction, cela n'a pas été dur d'identifier votre bus. D'accord, je m'en fous. Bonjour mademoiselle. Salut. Elle a des hanches à la gauche. Et par contre, elle a des chaussures. Excusez-moi pour les lags. Hein. Je viens ici pour rien. Alors, est-ce que j'ai un arrêt demandé? Vous êtes
sabre d'armes. Je m'en fous. Je veux un ticket, s'il vous plaît. T'as rien, seul. Alors lui va me demander un ticket. Même pas. Oh, je vais te tuer toi, dis donc. Hein. Salut. Il ressemble à un vampire, lui. Salut. Tu te plains du retard, je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Si seulement il pouvait savoir comment, je m'en fous. Il serait choqué. Bonjour monsieur. Ah, j'ai la flemme. Ah, 5... 7 euros... 8 euros même... 30. 70. Ah, il se plaint d'avoir trop de monnaie en plus. Mais moi, si j'ai trop de monnaie, comme j'ai dit tout à l'heure, mais comment je vais au KFC? Je me tape un. J'avais même pas dit KFC, je vais au grec. Je me tape un kebab, salade, tomate, oignon, ketchup, mayo. Tranquille. Alors là, on est à la gare, au terminus, donc ça va un peu laguer. Le bus va faire son petit kangourou sauvage, là. C'est parti pour le kangourou. Surtout que là, je suis en train de filmer. Mais il joue à quoi lui? Et la priorité comment? Putain. La priorité, il l'a oublié lui, il l'a mis dans son cul. Merci mesdames et messieurs d'avoir voyagé sur mon bus. Bonne journée à tous.
Bon bah, c'était Vélodrome Gaming. Désolé, mais j'ai changé de monde, mais il n'y a pas longtemps. C'était tout pour moi. Allez, bon bah, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne. 35 minutes. Ok, ça va. Bon allez, à plus, salut!